on est forcément beaucoup plus large en termes de propositions artistiques qu'on peut avoir quand on travaille à 10, grosso modo, que quand on travaille à 1, on peut voir beaucoup plus d'artistes. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir mutualiser aussi les coûts, à savoir les frais de déplacement, des frais aussi de session auprès des artistes qui, quand ils viennent jouer 5-6 fois, forcément, ne demandent pas forcément le même coût de session que pour une fois. Donc ça nous permet aussi de faire venir des artistes qui parfois sont vraiment d'envergure et pouvoir les faire tourner sur tout le littoral, et chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on avait été tout seul, en fait, tout simplement. La compagnie Cadavreski, elle existe depuis 6 ans. Elle est basée à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. On est accueillis, hébergés la plupart du temps. Sinon, on a une résidence et une semaine dans un lieu qui nous accueille. En principe, c'est un lieu dans lequel on va jouer dans la saison qui vient ou plus tard. Et ce qui est intéressant aussi avec les résidences, c'est que pour la plupart d'entre elles, ce sont non seulement des espaces qui nous accueillent pour pouvoir créer le spectacle, donc nous on n'a pas notre propre lieu, donc déjà c'est une chance énorme, et en plus certains lieux de résidence peuvent être aussi coproducteurs, sachant qu'un coût de spectacle est quand même très élevé. Certaines salles ont un budget attribué à la coproduction de spectacle.